Boo. Salut à tous, c'est Kevin Kaleo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de deux Woodbox spéciales anniversaire. En fait, dans ma vidéo pour mes cadeaux d'anniversaire, je vous ai dit que j'ai eu deux Woodbox. Donc, la Woodbox de mars que j'ai déjà pré-ouverte, puisque j'ai déjà ouvert ça, et la box de juin que je n'ai pas ouverte, que mes parents ont ouvert par contre. Parce qu'ils voulaient voir, ils étaient curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir renouveler ou non un abonnement. Donc je ne sais pas s'ils ont renouvelé l'abonnement, mais bon, voilà. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez avoir un code promo. Il me semble que si vous... normalement, j'avais droit à un code promo de 3€ sur votre prochaine Woodbox. Normalement, si je l'ai, il sera dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à y aller si vraiment le contenu vous intéresse et si vous avez envie d'avoir une Woodbox vous aussi. Donc moi pour cette première Woodbox de mars, que dire, que j'ai vraiment été agréablement surpris par ce masque, voilà. Alors que je n'aime pas Batman et je n'aime pas les super-héros à la base, voilà. À la base je suis comme ça, je n'aime pas vraiment les Marvel ni rien. Est-ce que c'est un Marvel Batman? Oui c'est un Marvel, je suis trop con. Même les trucs je sais pas. Alors donc dans cette petite Woodbox, je vais d'abord vous montrer... la Woodbox, voilà. Donc c'est une très belle boîte. Voilà. Donc là, ça ressemble plutôt à une petite valise. Voilà. Hein, faut pas se mentir. On a un petit livret à l'intérieur. Voilà, comme ça, qui se présente comme ça. Donc c'est le menu. Donc c'est bien celle de mars que je disais. Hop. Donc dans la première page, nous avons un petit sommaire. La communauté des Booters. Donc des petites photos très agréables, très mignons. Hop. Donc là c'est la Mega Woodbox qui est à gagner au mois de mars. Voilà. Donc il y a tout. En fait les Mega Woodbox ce sont des gros. Enfin. Il y a plein de gros articles quoi. Donc là par exemple il y avait une télé Samsung. Je sais même pas pourquoi j'ai pas participé à ce concours là. Parce que vraiment je suis dégoûtée parce que j'aime trop Samsung quoi. Tu vois. En plus c'est une Ultra HD. UHD. HD. 4K. Voilà. Et j'ai pas de Ultra HD. Et là, on commence donc direct avec les articles qu'il y a. Voilà. Donc, je vous spoil un peu. Là, donc dans cette Woodbox, nous avons le droit à une petite figurine Disney Infinity de, comment il s'appelle, Hulk. Donc c'est bien un Marvel. Voilà. Hulk, ce n'est pas un personnage qui m'intéresse vraiment. Après, je sais que, enfin, Hulk, enfin, ces figurines-là, c'est pas de la merde, quoi. C'est quand même à peu près une bonne quinzaine d'euros, on va dire, les figurines Disney Infinity. Donc, ouais, ils se sont pas foutus de nous, quoi. On en a pour notre argent, quoi. Parce que c'est pas comme des box où t'achètes et que au final, t'es pas rentabilisé, quoi. Là, c'est vraiment rentable et tout ça. Donc, je suis vraiment très content. Hop. Je vais pouvoir enfin les sortir. Alors ensuite, donc ça je suis trop content par contre parce que ça fait un moment que je veux j'en veux un pour pouvoir jouer à League of Legends et tout ça. Et genre oui, je vais garder ce masque tout le long de la vidéo. Voilà, parce que j'ai pas envie de montrer mes yeux aujourd'hui. Je suis sous anonymat. Hop. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de jouer je joue à League of Legends. Et genre, il y a des moments où ma souris, elle glisse pas assez. Donc, j'avais vraiment besoin d'un tapis de souris. Et du coup, bah, j'en ai eu un. Et c'est un tapis de souris Ant-Hitman. Pardon, j'allais dire Ant-Man, mais c'est pas la même chose. Donc, Hitman, avec le petit logo de Woodbox ici. Qui est vraiment très sympa. Franchement, je suis très content. En plus, j'avais besoin d'un tapis de souris, donc ça tombe bien, quoi. Donc, je suis super content. Alors ensuite, donc, on a une planche de stickers Woodbox. Hop, qui est juste ici. Ça me fait penser un petit peu à du Zelda, celui-là. Enfin, très vaguement, quoi. Celui-là. Ça me fait penser un petit peu à du Zelda, je sais pas dans quoi, mais je pense que c'est dans Twilight Princess, mais ça me fait penser un petit peu à ça, je sais pas pour vous. Mais le toucher, il est très agréable. Je sais pas ce que c'est. C'est très agréable. Voilà. J'aime trop. Alors, hop. Et, ce sont des Sun Statues Batman Dark Knight. Voilà. Envie de ressentir l'adrénaline de Bruce Wayne lorsqu'il devient le célèbre justicier masqué? Woodbox vous en offre la possibilité avec cette paire de lunettes qui protégera votre identité lors de vos futurs combats contre le crime. Voilà.
je vais aller combattre le crime. Alors donc ensuite, Woodbox exclusif. Exclusif dans le Woodbox. Donc ça, je suis très très content parce que je fais une collection de Coca-Cola également. Et genre, c'est un décapsuleur Coca-Cola quoi. Un décapsuleur Coca-Cola que je vais pouvoir mettre dans ma collection. Donc ça, je suis trop content. En fait, c'est les articles les plus pourris. Enfin, pas les plus pourris, mais genre, c'est les articles les plus communs. Enfin, les moins communs. Parce que plus communs. C'est les articles les moins communs que j'aime le plus. Genre, les lunettes et ça. J'aime trop. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un pins, si j'ai bien compris, dans toutes les Woodbox. Voilà, donc là, il y a le petit pins avec un Omega. Très, très sympa, avec marqué mars 2016 action. Voilà. Donc du coup, je vais remettre tout ça dans la petite boîte, pour pas que ça s'abîme. Par contre, je garde les lunettes, hein. On va pas se mentir, c'est trop swag. Donc du coup, je vais enfin pouvoir ouvrir cette boîte qui a bien éveillé ma curiosité, faut le dire. Voilà. Alors, j'essaie de voir. Ah, c'est bon. Ok. Donc ça, il y a le petit livret. Le livret très très sympa. Voilà, avec plein de petits confettis. Ah non, c'est pas des confettis, c'est genre des petites crottes. Vous savez les petites crottes qu'on met genre sur les gâteaux et tout ça, c'est trop trop bon. Les vrais comprendront. Genre vraiment. Alors donc comme d'habitude, donc là on a la communauté des Wooters. C'est super. Ah voilà. C'est ça aussi que je disais dans la vidéo des cadeaux d'anniversaire. C'est ce verre là que je disais. Je sais pas si vous allez voir, mais genre c'est dans la box Woodbox également qui était. Alors, donc tout simplement, donc là, c'est la méga Woodbox anniversaire de ce mois-ci. Donc c'est un équipement. Geek, je pense, parce qu'il y a un HTC Vive, il y a un écran avec une tour d'ordi, c'est un tapis de souris, une souris, un clavier et un putain de siège. Donc là, ça commence. Oui, alors, donc on va commencer à piocher. Je vais mettre mes lunettes, comme ça je vais pas pouvoir voir. Il y a une peluche déjà. Oh, elle est trop mignonne! C'est dans. Comment ça s'appelle? Les gardiens de la galaxie, non? Je sais pas comment c'est. Les gardiens de la galaxie, non? Dites-moi dans les commentaires si c'est dans les gardiens de la galaxie, parce que ça va m'énerver. Je crois, hein. Genre, je crois trop. Mais genre, elle est trop mignonne. Putain, tu sais pas arrêter de pleuvoir, s'il te plaît. Elle est trop, trop mignonne. Elle est trop, trop douce. Ah, j'aime trop. Avec sa petite feuille, là. Là aussi. Ah, oh, j'aime trop. Elle est trop mignonne. Alors là, franchement, je suis trop contente. Donc si Woodbox passe par ici, joyeux anniversaire à vous et joyeux anniversaire à moi aussi. Parce que c'était le 12 juin mon livre, donc bon. Donc ensuite, attendez, non, j'ai envie de prendre ça. À nos Wooters adorés, un an déjà, en juin 2015, nous lancions notre première box remplie de produits issus de l'univers geek. Pardon, j'allais croter, mais c'est dégueulasse. Du jeu vidéo, du manga et du cinéma. De quoi combler notre communauté de Wooters qui se formait à peine. Aujourd'hui, un an plus tard, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance chaque mois. Plus de 10 000 Wooters. Ah ouais, quand même, il y a 10 000 personnes qui commandent la Woodbox, c'est pas mal ça. Vous partagez votre passion pour la Woodbox en photo, vidéo et autres commentaires qui, tous les jours, réchauffent notre petit cœur de geek. Alors, tout simplement, merci à vous. Si nous pouvions vous remercier un par un, nous le ferions avec plaisir. Merci de continuer à nous suivre avec la même ferveur et d'être si nombreux à prendre la Woodbox pour ce qu'elle est vraiment. Pas une simple box, mais une communauté de réels passionnés. C'est ça la Woodbox. Et ça, franchement, je suis trop content aussi parce que il y a genre Link. Regardez. Donc là, il y a Link. Et là, il y a le mec dans. Là, il y a Overwatch. Et là, c'est dans les Gardiens de la Galaxie, je suis sûr. Bon, tu vas arrêter de pleuvoir parce que là, je suis m'énerver. Je vais fermer ma fenêtre. En profite un peu pour regarder mes fesses. Hop. Plan sur les fesses. Hop. Donc du coup c'est vraiment agréable, c'est vraiment super. Happy birthday. Donc ils font l'anniversaire. Voilà. Je suis très heureux. Alors donc du coup je vais prendre celui-là. Alors donc c'est une figurine pop. Donc là ça fait ma deuxième figurine pop. Je vais commencer. Si je commence, je sais que je vais pas m'arrêter. Alors donc du coup c'est une figurine de Game of Thrones. Game of Thrones, je suis pas fan. Voilà, je le dis très clairement, je ne suis pas fan de Game of Thrones, mais la figurine est très belle, je vais la sortir, j'ai envie de la sortir.
pas. Voilà, Game of Thrones, c'est pas mon fort. Je trouve ça un peu violent, quand même. Un petit peu violent, je suis petite nature, quand même, mais bon. Elle est très bien détaillée, c'est sympa, quand même. Franchement, elle est pas mal du tout. Il y a pas mal de défauts, comme dans toutes les figurines pop, à ce que j'ai pu comprendre. Elle est très très belle. Voilà, très mignonne, très sobre, j'aime bien. J'aime bien quand même, parce que c'est un petit chevalier, c'est sobre. Donc c'est Jaime Lannister. Et vous savez que mon deuxième prénom, c'est Jaime. C'est Jaime aussi, mon deuxième prénom. Donc en fait, c'est un signe. Cette box est faite pour moi, je vous dis. Jaime, c'est mon deuxième prénom. Donc si vous voulez que je vous montre ma carte d'identité sur Twitter, je le ferai. Je mettrai Jaime, enfin je mettrai mon prénom et mon deuxième prénom. Je vous assure que c'est là. Par contre, mon troisième prénom, je ne vous le montre pas. Il n'y a pas question. Pas question. J'aime pas du tout mon troisième prénom, donc voilà. Faut me comprendre. Donc c'est un signe, Jaime, voilà. C'est un signe. Cette box est faite pour moi. Alors donc ça, je sais pas ce que c'est une plaque. Alors donc ça c'est une plaque Overwatch. Très sympa aussi. Donc j'ai vraiment envie de me tenter, enfin je suis très tentée par Overwatch. Alors hop. J'ai vraiment envie de l'avoir, surtout que maintenant j'ai une Xbox One, donc du coup je peux jouer à ce genre de jeu. Ou alors il y a également sur PC, mais mon PC n'est pas très performant. Vraiment c'est très sympa. J'ai envie d'y jouer. Ça me donne vraiment envie. En ce moment, je regarde pas mal de vidéos sur Overwatch. Donc voilà. Ça me convient. Merci beaucoup. Alors ensuite, je reprends mes petites lunettes. Et ici, je pense que c'est un t-shirt. Je suis même sûre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ouais, il y a un petit pin. Oh, il est trop beau le pins. Ah, j'aime trop le pins. Regardez. Alors, c'est un petit gâteau. Je sais pas si vous allez le voir. Mais genre c'est un petit gâteau avec des bougies au-dessus de sa tête et qui joue à un jeu vidéo quoi. Elle est vraiment sympa. Sympa sympa. Hop. Donc là. Oh, attendez, je viens de voir la Triforce, je suis genre trop content. Voilà, c'est une box qui est faite pour moi, mes amis. C'est une box faite pour moi. Il y a du Zelda, bordel. Ah, il est sympa. Donc c'est en fait un Link version adulte. Mais genre il a un gros nez par contre. Je suis pas d'accord. Je sais pas si vous allez voir, mais il est trop trop beau. Franchement, j'adore. Ah, c'est une box qui est faite pour moi. Je pense que c'est une box faite pour moi. En plus, j'adore la petite peluche. Elle est trop mignonne. Voilà. Elle est trop mignonne. Genre, je suis content. Enfin, je suis content de cet achat. Je regrette vraiment pas d'avoir commandé la good box. Oui, parce que c'est un petit peu moi qui ai forcé ma mère en me disant « Oui, c'est la box anniversaire, achète-la pour moi et tout. » Puis elle m'a dit « Allez, vas-y, on va l'acheter et tout. » Puis en plus, elle avait un code promo à la base. Et puis quand on a vu qu'il y avait deux box, alors là, j'ai fait... Je suis trop fière. Là, j'étais trop trop content d'avoir deux box pour le prix d'une, quoi. Et je suis genre trop trop content. C'est vraiment pas un achat... Enfin, cet achat, il est vraiment rentabilisé. Je suis trop content. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Pourquoi il y a un... Oh, ma mère, mes parents ont mis des miettes de petit pain dans la wood box. Je rêve, j'hallucine. En regardant la wood box, ils ont mis des miettes de petit pain au chocolat dedans. Tente de gagner une mini méga wood box en partageant ton unboxing sur les réseaux sociaux. Prends ta box en photo, partage-le avec le hashtag et gagne une chance. Ok, bah je ferai ça du coup. À la limite, je mettrai la vidéo et je mettrai le lien quoi. Je mettrai le hashtag woodbox, hashtag machin. Et genre, je suis trop content. Voilà. Je trouve que c'est une très très bonne box. C'est un très bon achat. Très bon achat. Je ne le regrette vraiment pas. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et me dire dans les commentaires si vous avez envie que j'ouvre d'autres woodbox. S'il y a beaucoup de pouces bleus, peut-être que je referai des unboxings sur la woodbox parce que ça m'a vraiment plu. Moi, j'adore franchement le contenu qu'il y a et ça se voit qu'ils font attention, enfin qu'ils ne prennent pas pour de la merde parce qu'il y a certaines box qui mettent des articles merdiques quoi. Voilà. Mais là, franchement, c'est très bien fourni, il y a des goûts pour tout le monde quoi. Et c'est ça que j'aime bien chez Woodbox.
Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Donc après également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est pas mal. Et me suivre également sur les réseaux sociaux, parce que sinon, Batman va passer chez vous. Et ça va barder.